Et salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Medieval Dynasty. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai récolté des baies. J'ai un petit peu farmé de mon côté. Donc, je vais peut-être aller faire la quête. On va voir, alors je sais pas si c'est des baies mûres ou pas mûres. Ça n'a peut-être pas d'importance, on verra bien. Je sais plus ce qui s'est passé dans le dernier épisode. J'ai une nouvelle villageoise que j'ai mis donc ici. D'accord. C'est pas trop sa spécialisation, mais bon, pour l'instant ça ira bien. Oula. Et ensuite, alors, dès le début du jeu, j'avais loupé mon coup, donc j'avais pas construit la maison en pierre. J'ai décidé de pas le faire après, alors que j'aurais pu, bon, par rapport au conseil qu'on m'a donné, par exemple la démonter et puis la refaire, mais en fait j'aurais préféré attendre d'avoir la taille intermédiaire, et donc on va se refaire une petite maison un peu plus grande pour nous deux. Et voilà, donc alors qu'est-ce que tu me racontes, toi? Laissez-moi vous regarder de plus près. J'ai une faveur à te demander. Romantisme. Qu'est-ce qu'on peut dire encore en romantisme, là? Ah, je crois que nous sommes prêts à avoir des enfants. Ouais, pas encore, hein, tant qu'on n'a pas notre maison. Ouais. Qu'y a-t-il? Pourrais-tu apporter cet argent au Castellan pour payer nos taxes? Ah, ça c'est cool. Ça évite de devoir se déplacer. D'accord. Have a nice day. Ok. Bon. Allez. On va aller donc au village pour... On va aller au village pour voir si on peut donc faire la quête des baies. Ça va nous faire augmenter un petit peu. Et après on va construire notre petit nid douillet. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de plus compliqué dans cette petite vidéo. Et dans le prochain épisode, je pense que notre petite Olivia va devoir décider si elle veut ou non un enfant. Et ouais, ça va commencer à être important, déjà garantir notre lignée. On verra bien. Peut-être manger un petit bout quand même. J'ai une poire, tiens. On va prendre ça qui est en train de pourrir. Alors, on est bien là. Ok, non, c'est bon. On va continuer. De mon côté, je vais continuer à essayer de mettre à vendre des choses, à essayer d'avoir de l'argent. À mettre de l'argent de côté pour pouvoir préparer l'hiver. Essayer d'avoir des vêtements chauds. J'avais une petite idée, mais est-ce que ça se fait? Je sais pas si ça se fait. Mais ouais, en effet, j'avais une petite idée, c'est-à-dire faire une expédition de nuit et regarder ce que je pouvais voler. C'est pas gentil, c'est vrai, c'est pas bien. Mais bon. Au début, c'est peut-être utile.
Livrer un des carottes, de la viande, petit panier en osier x3, je sais pas encore faire. Les pierres de jet, je sais toujours pas ce que c'est. Ouais, c'était 299. Ok. 26 argent, plus 60 réputation. Alors, est-ce que c'est expliqué? Notre tavernier cherche à se procurer des fruits de la plus haute qualité pour réapprovisionner notre taverne en vin. Toutes les offres de vente doivent être présentées à l'intendant. La récompense monétaire sera également accompagnée d'une bouteille de vin. Il ne s'est pas précisé ce qu'il faut qu'elle soit mûre ou pas. Hop. Une nouvelle quête. Il est où alors, Pépère? C'est là peut-être? Il est où Hello there. Que pensez-vous de ce building? Que pensez-vous de l'intendant? Est-ce que Oxbow souffre de la présence de bandits? Bah on en a croisé, on va voir. Qui vous a dit ça? Ok. D'accord. Si tu le dis, oubliez ma question. Adieu. Ah, il est où, Mister? Mais j'ai pas l'impression que ça ait validé la quête. Il est là. Ah, si, peut-être. Cool. Alors. On va voir si on peut recruter quelqu'un. On va voir si on peut recruter quelqu'un. Potentiellement un homme. Parce qu'il y a beaucoup de femmes. Ouais, je me dis, elle marche pas droit, mais oui, c'est normal. Intoxication de quoi? Bah. Ok. Nothing is true. Everything is permitted. Bof, pas terrible celui-là. Ah! Extraction. C'est de l'extraction qu'il me faut. Donc il était pas mal celui-là. On aurait peut-être pu le mettre à l'abri de bois. That's talking to myself. Toi. Make me crazy. Allez, pas mal aussi celui-là. Hein. L'autre, non. 3-2-1. 3-2-1, 1-3-2. Plus la pêche. Peut-être moins en diplomatie. I have a feeling we're not in the valley anymore. Lui il est bon en pêche et puis How can I help you? There's something hypnotizing about the fire. 400. Bon. Have a nice day. C'est pas la peine. Ok, bon. On va retourner au village et construire notre petite maison. Notre petite maison en pierre. Attention. Ça rigole plus. On va en profiter pour me laver. Je vais me mettre dans l'eau.
Alors, je sais qu'il y a un petit décalage, mais bon, on m'a conseillé donc de mettre des bacs à eau devant chaque maison pour que chaque villageois puisse se laver. Donc, il va falloir que je vois ça. Déjà voir où c'est. On va déjà commencer par construire notre petite maison. Ah voilà, ça y est. On est propre. Allez, je retourne au village. On va construire notre maison. Je peux peut-être commencer à prendre un peu de pierre. J'en ai beaucoup de pierre, mais bon, c'est pas grave. Déjà en faire un petit peu plus. Au moins, peut-être déjà construire la base. Allez. Là, il y a quelqu'un qui manque d'eau. Mais qui qu'est-ce ? Ok. Ah, mais vous barrez pas. Chasser plus tard. Il y a un autre objectif. Voilà un loup. Non. Bon, il est reparti. Wow. Ça a failli, hein. On a failli canner. Regardez-moi ce petit village qui commence à pousser doucement. Et on va construire notre petite notre petite maison en pierre. On va la construire par ici. Déjà voir si ça passe. Une maison ordinaire. Voilà. Je le mettrais bien ici. Ah, pourquoi? Quoi qui gêne? Peut-être le pont. Parfait. Allez, on y va. Ah. Pas une pierre qui traîne par là? Voilà. Pour moi finir la base. Il me faut 10 rondins. C'est parti. Je vais y aller comme ça progressivement parce que je peux pas porter des tonnes non plus. Rondins. M'a fabriqué toi rien pour l'instant, c'est pas grand chose hein. Normalement je lui ai demandé de me fabriquer des planches et du bois de chauffage. Non, ça va être de la pierre. Alors, moi je voudrais une fenêtre ici. Et donc,
en pierre. Voilà. Donc il me faut de la pierre automatiquement, deux rondins, un mur normal en pierre. Ok. On va déjà récupérer de la pierre. Le toit. Je crois qu'on peut le faire en planche, mais je suis pas sûr. À voir. Ah! Mince, mon marteau. J'en ai pas d'autre. Ah mince, alors ça c'est mal barré. Comment on fait un marteau déjà? Rondin, bâton. Ok. On est parti. Ah! Hop, je me trompe avec ma partie solo. Hop. Ouais, j'ai pas envie de piocher dans mes stocks. Voilà. Un mur normal en pierre. Porte normale en pierre. Ouais, il va falloir un bon paquet quand même de pierre. Hein. Planche du... Ah oui, d'accord. Oh, 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 oh. Rondin, planche. Ouais, ça coûte un peu plus cher quand même. Hein. On va attendre pour ça. Allez, on se dépêche. La nuit commence à tomber. Enfin, c'est pas grave, hein, on peut dormir encore dans notre maison. Un peu chargé, mes mères. Hein. Oh, c'est bon, arrêtez de bailler, vous avez rien foutu. Ils font rien de leur journée. Allez. On y est presque. Oh, ça commence à prendre forme. Parfait. Non. Mur. Non, c'est pas un mur, c'est une fenêtre. En pierre. Ça a failli, hein.
Un mur. En pierre. J'aurais bien fait une porte ici. Hein. Une porte en pierre. Ah, ça veut pas. Bon, on va rester sur un mur. Ou une fenêtre peut-être. Non, il y a beaucoup de fenêtres déjà. Hop. C'est une fenêtre en pierre. La même chose. Non, sauf que c'est pas une fenêtre. On touche au but. Voilà. Encore quelques pierres. Oh, la nuit commence à tomber. Et on a quelqu'un qui a soif. Gestion. Qui est-ce qui a soif? Naslawa. Et Naslawa. Elle est dans cette petite maison ordinaire. Ok. Non, j'avoue que là, par contre. Non, c'est pas là. Alors, on doit avoir de l'eau normalement ici. Mince. C'est ici. Alors comme ça t'as soif. Et voilà, c'est fait. T'as plus soif. Ok, allez. Rondin. Hop. Après on va aller faire dodo. C'est pas tout ça, mais il commence à faire sombre. Il est quelle heure? Ah, il est 19h48. On se couchait tôt à cette époque-là. Moi, j'en sais rien, en fait, je dis ça. Je pense pas qu'on avait la notion de l'heure. Hop. Ah, j'ai oublié de prendre des pierres. Mince. Il me faudrait 6 pierres. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, c'est bon. Ok, bah c'est bon ça. Ok. Toc en pierre. J'aurais testé quelque chose. On va peut-être aller dormir. Hein. On est parti se coucher, je parie. Non, pas encore, il balaye. Allez, balaye. Oh, the worst thing. C'est bon? Je crois pas qu'elle produise grand chose, elle. Hein. Elle produit rien du tout, même, je dirais. Euh...
un rondin que j'ai sur moi, d'accord. Là, par exemple, j'en ai 3. R. Ça va être un petit peu long. Alors, j'aimerais essayer quelque chose. Enfin, essayer. Voir quelque chose. Normalement, enlever l'isolation, détruire. Ça détruit la maison en entier? Ah ouais. D'accord. Donc si je veux... faire ma maison en planche. Construire. Il me faut 12 planches. Il doit y avoir 6 portions. Ça fait 36, ça fait 72 planches quoi. Oh, c'est énorme, 72 planches. Ouais, non, c'est trop. On va la faire en normal. Alors, il me faut encore de la pierre, de la paille et quelques rondins. Hop. Toc. Et rondin. Ouais, non, mais rondin, ça va être trop. Je vais faire trop. Trop chargé. Allez, on y croit. Allez, feignasse, on y va. Parfait. Ok. Ouais, donc c'est bien ça, hein. Ça fait quand même beaucoup, je trouve. Hein. Allez. Et après, il me faudra juste des rondins. Oh non. C'est pas vrai. Ah, c'est pas possible, perte de temps là. Mince, il n'y a plus de rondin, elle est en train de travailler, elle. Je sais pas ce qu'elle fait. J'ai 8 planches. Ah, 8 planches. Hop, il me faut quelques bâtons et des rondins. Fermé, tac, fabriqué. Allez. On va y arriver, hein.
Allez. Ouais, ça c'est la maison de la patronne. Ça va jaser. Ça va jaser. Hop. Hop. Loupé. Hop. Ok. Qu'est-ce qu'il me reste normalement à l'intérieur? Ah, il me faudrait encore deux rondins. Ok, deux pierres. Oh, attendez, 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 attendez. Si lui, j'arrive à l'avoir. Ah, non, loupé. Non, je l'ai eu. Ah, parfait. Plumes, 6 viandes. Si ça c'est pas beau. Et oui, je sais, t'as cassé ta petite hache. Voilà. Allez. On en termine avec ça. Eh ben, c'est pas parfait. Regardez-moi cette petite maison. C'est génial. Hop. Le pépère, va falloir déménager là-bas. Va falloir déménager de là-bas. Couteau en cuivre, hache, marteau, ça on met pas là. Va falloir que je ramène tout, je vais faire ça de mon côté. Hein. Hop. Toc, du vin, une torche simple, on va la garder, une poire, on va peut-être la manger, ça je vais les vider. Hop, allez, je vide mon inventaire, puis je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Voilà, on a notre petite maison. Parfait, alors attendez, on va regarder, donc dans gestion, si je ne m'abuse... Ah, attendez, c'est marqué où? Voilà, c'est ça. Isolation 76,7%. Je pense que c'est à cause du toit. Ok. Alors, on sait ce qu'on a dans le coffre. Donc ça, c'est cool. Donc cette maison-là est libre. D'accord. Il va falloir que je vide tout. Je sais pas pourquoi je fais glisser. En fait, il faut... simplement... faire un double clic. Hop, j'en avais des marteaux. Ah, c'est pas grave.
Voilà, on a tout vidé. Et on va arrêter ici. Bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, même me laisser un commentaire. Et puis moi, de mon côté, bah, je vais peut-être farmer un petit peu pour refaire des petits paniers comme ça et un compost. Ouais, je sais pas comment ça se... Comment ça se traduit après. Bon, on verra quand ça sera... Quand ça sera bon. Ok, bah écoutez. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous donc pour le prochain épisode. Portez-vous bien. Bye bye.